Bienvenue à... Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Attends. Monsieur le directeur va venir nous rejoindre, il va se présenter et on va pouvoir découvrir ce très bel établissement ici à Majunga. Bonjour Didier. Bonjour. Vous nous avez rejoint. Merci de nous accueillir dans ce magnifique hôtel Ansamitia ici à Majunga. Merci. Belle propriété de 22 hectares, c'est ça, je crois. 22 hectares, oui, plus 5 hectares en face. Ça, c'est magnifique, on fera des belles photos et des vidéos drone tout à l'heure pour nos amis. Oui. Parlez-moi un peu, monsieur Arquette, de votre parcours. Ben, mon parcours professionnel, j'ai commencé à 24 ans comme directeur d'hôtel du manoir de la Canche près du Touquet. Et ensuite, pour le groupe AG2R La Mondiale, ensuite je suis descendu pour le même groupe au château de Mousquetti en Provence pendant quelques années. Ensuite, nous sommes partis sur les Antilles françaises où j'étais directeur d'exploitation de trois hôtels sur la pointe de Gosier. Puis en Guadeloupe, je connais bien la Guadeloupe en plus, j'en reviens. Voilà, donc j'étais le directeur du Crayol Beach Hotel et de Mahogany et Yucca. Et ensuite, je suis revenu 12 ans en France, où nous avons dirigé avec mon épouse le château de Varennes près d'Avignon. Très bel établissement. Voilà, très bel hôtel 4 étoiles également. Et de là, nous sommes repartis sur les îles en Polynésie française 4 ans, où donc on a fait l'ouverture de l'hôtel Le Moréa Beach Lodge. Et au bout de 4 ans, on a décidé de partir et de venir ici sur Madagascar, reprendre la direction de l'hôtel et d'assurer toute la rénovation de l'hôtel sur les deux dernières années. Voilà. Écoutez, et en faire un hôtel 4 étoiles. Quel parcours magnifique. Vous voyez, le groupe Eden n'a pas confié à n'importe qui hein, de ses fleurons établissements. Alors rappelez-moi qui est le propriétaire du groupe Eden. Alors c'est le propriétaire, donc c'est un Français, je crois. Voilà, c'est le PDG donc Edgar Valero, associé aussi avec Jean-Claude Soulard. Donc le groupe est installé à La Rochelle. Nous avons plusieurs hôtels, un ici, un à Mayotte, le jardin de Mahoré, nous avons le Dimitil à La Réunion, deux hôtels également en Charente-Maritime, donc, et différentes activités dans le groupe, notamment dans la promotion immobilière. Bravo, écoutez, donc combien d'établissements à peu près dans le groupe, hôtelier on va dire? Là, établissement hôtelier, il y en a 6 et il y en aura 8 prochainement. Bon, ben voilà une belle évolution. J'ai vu que vous avez quelques travaux de rénovation, des nouveaux bungalows qui se créent. Voilà, nous aurons au total dans la propriété 14 suites seniors avec piscine privée. J'ai vu, puisque vous avez eu l'amitié de nous accueillir dans deux d'entre elles.
vous connaissiez bien le produit. Dites-moi, alors, bon, combien en tout vous avez de capacité de nuitée ici? Alors, ici, nous avons 30 hébergements hein, différents, donc entre bungalows, chambres doubles, chambres familiales, suites, villas, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est hébergement et le restaurant, à peu près 150 personnes. Ah oui, puis on a pu déguster pas mal de choses déjà hier soir. Je veux dire qu'en plus, vous avez en cuisine des gens qui savent faire la cuisine et qui la gardent authentique. C'est important de garder l'authenticité de la cuisine managasse avec les produits. Ici, il faut savoir qu'on travaille essentiellement sur les produits de la mer, puisque donc on est sur la plage dans un village de pêcheurs. Donc on a en tant qu'écologue une responsabilité vis-à-vis des villageois, c'est d'acheter en priorité aux villageois. Donc tout le poisson, les crevettes, etc., les langoustes, tout ça est acheté au village, arrive à 4h30 après-midi sur la plage. Bah, écoutez, y a aussi une chose que j'ai vue, c'est que le personnel est extrêmement, on va dire, bien formé. Je sais que c'est compliqué. Alors, si nos amis malgaches sont des gens volontaires qui veulent travailler, mais Il y a une bonne équipe. Bon, on est à 75 personnes qui travaillent ici sur l'hôtel. Et on vient d'interviewer monsieur le directeur. On va s'arrêter juste un petit temps pour que je vous fasse profiter et regarder du panorama qui est là. Magnifique. Et on va continuer donc cette belle visite. Bonjour les amis, nous sommes ici dans cette belle province de Majunga à la rivière Mourir. Pourquoi Mourir? Parce que la légende veut dire qu'à l'époque, il y avait un étranger qui s'est noyé ici malgré tous les locaux qui ont dit ne va pas dans la rivière ou tu vas te noyer. Cette rivière n'est pas dangereuse, il faut le savoir, mais à profil du temps, un autre est revenu ensuite avec son canoë-kayak. Pareil, on lui a dit fais attention, cette rivière, si tu vas dans l'eau, tu peux aller à la rivière Mourir. Mais en fait, ça ne s'appelait pas comme ça, cette rivière au début. Puis maintenant, au fil des générations, au fil du temps, cette rivière s'appelle la rivière Mourir. Alors, bien sûr, je n'ai pas l'intention, nous n'avons pas l'intention de mourir dans cette rivière. Je vous rassure, on va essayer de revenir pour vous simplement ramener ces images. À tout à l'heure. Ça va le pilote? Oui, ça va bien. Bon, ça va alors. Ah, j'ai toujours un peu de ça, mais Alexa. Pas Alexa, pourquoi? Alexa, c'est la catapulte, c'est le fourmi. Alexa. Gaston. Le zébu nage bien, hein? Ah, c'est profond. Oh, oui, il nage bien, le zébu, regarde ça. Ça vient beaucoup. Les amis, nous sommes dans cette école, loin de tout, mais ce qui prouve qu'à Madagascar, avec peu de choses, on arrive quand même à faire des écoles, quand même à éduquer les enfants, et c'est ça aussi les qualités de nos amis malgaches, c'est qu'ils peuvent, avec peu de choses, arriver à de grandes choses. La preuve est là, et elle est là aussi, bien sûr devant la fierté du drapeau malgache. Ici, nous sommes avec Hamza de EcoGuide. Il va vous dire où nous sommes. Bonjour à tous. Donc, je me présente comme monsieur le président avait dit, Hamza EcoGuide. Je suis dans Tsanti. Donc, on est ici sur le village de la digue. Nous, on a remonté la rivière Mourir, qu'on a remonté tout à l'heure. Ici, c'est un petit village d'à peu près 500 populations. Et ils vivent ici de pêche et aussi d'agriculture. Et d'agriculture majoritairement du riz. Parce qu'en saison de pluie, les gens ici cultivent du riz et en saison sec, malheureusement, il y a aussi les transformations des bois en charbon. Alors c'est vraiment un petit village typique de Madagascar, il faut le savoir. Et la Fédération internationale du tourisme ne doit pas être que dans les beaux hôtels, ne doit pas être que reçue par les autorités. Mon rôle, c'est aussi d'être là, avec la population et d'aller voir ce qu'on peut éventuellement présenter aux touristes qui viendront à Madagascar dans le cadre du tourisme, bien sûr, éco-durable et qui défend l'agriculture, qui défend les villages, qui défend la population, des gens qui sont fantastiques, qui n'ont pas grand-chose, mais qui, avec un sourire, vous proposeront déjà tout. Et ça, c'est l'essentiel, et c'est ça, surtout, Madagascar. Et ça aussi, j'appuie aussi sur le concept de l'écotourisme, développement communautaire et aussi accent sur la protection de l'environnement, parce qu'ici il y a une ONG qui s'appelle Demprojet, ils font le reboisement
des mangroves et côté aussi terre, fond de reboisement, côté terre par rapport à des plantes fruitières, les mangues, tout ça. Voilà, allez, on va visiter, on fera les autres images après. Merci. Là, vous avez ce qu'on appelle l'estron. L'estron, c'est la zone de balancement de marée. Et les marées, c'est tous les... Il y a deux fois marée haute, deux fois marée basse. Et c'est tous les 6 heures de... On a été très très bien accueillis, vraiment le directeur est quelqu'un de très sympathique, toute l'équipe et nos amis malgaches sont toujours au top comme d'habitude. Regardez, ça, c'est l'océan Indien. À bientôt mes amis.